Mardi 23 avril. Ici, le message concerne les personnes qui se posent des questions sur le plan sentimental. On va voir quels sont les messages pour vous. Il va y avoir plusieurs messages, peut-être pour plusieurs personnes, mais peut-être que tous les messages qui vont sortir vont résonner pour le même sujet. En voilà un premier. Laissez votre chance, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, donc là c'est pour les personnes qui sont en couple et qui sont peut-être un petit peu en difficulté. On vous invite à ne pas baisser les bras, à croire que les choses vont pouvoir avancer, évoluer. Faites confiance, invoquez vos anges également. Demandez-leur que la situation s'améliore, si tel est le cas pour vous, si vous êtes en difficulté en ce moment en couple. Alors, quels sont les autres messages? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça peut, bien sûr, être en lien avec la carte qu'on vient d'avoir juste avant. Mais pour les personnes qui ne sont pas spécialement en couple, qui recherchent à vivre de nouvelles expériences, de nouvelles relations amoureuses ou laisser entrer un nouvel amour, voilà, tout simplement, dans leur vie. Donc, probablement pour les personnes qui sont célibataires, justement. Voilà, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, invoquez, faites des inductions positives. On vous invite à le pratiquer vraiment, cet exercice-là, de tous les jours. Mettez des énergies positives pour faire venir à vous ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Et on vous rassure, en plus de ça, en vous disant que c'est pour très bientôt, surtout si vous y mettez du vôtre. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Absolument, parce que c'est vrai que parfois, on se focalise sur un certain type de personne et puis finalement, on rencontre une personne qui, a priori, n'a rien à voir avec vos espérances et une personne avec laquelle vous pourriez aussi vivre quelque chose de fort, de doux, de tendre. Voilà. Donc, gardez bien l'esprit ouvert. Pour les personnes qui sont en couple, ne lâchez pas l'affaire, ne baissez pas les bras. Essayez de trouver des petites choses pour peut-être repimenter si vous sentez que c'est ça le souci, que vous êtes dans une certaine forme de banalité ou quel que soit le souci ou quoi. Laissez une chance à votre relation, c'est le message du jour. Très belle journée à vous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche, et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain.
Comment seras-tu?